I'm only human, can't you see? I made a mistake. Please just look me in my face. Tell me everything's okay. 'Cause I got it. Ooh, I've never been like you. Bien, donc aujourd'hui je suis là avec une vidéo Fall Get Ready With Me. Donc hier j'avais un petit truc et puis je me suis dit pourquoi ne pas vous filmer le make-up Fall que j'adore ces temps-ci. Donc si vous voulez regarder comment réaliser ce look là, keep on watching. Et avant d'y aller, j'ai envie de vous rappeler qu'il y a un super giveaway sur ma chaîne. Donc je vais vous laisser tous les liens en barre d'infos. La photo elle est sur ma page Facebook. Et en parlant de page Facebook, c'est vous qui m'avez demandé ce look. Donc j'espère que vous êtes toutes contentes. Et puis voilà, donc je laisse tous mes réseaux sociaux en barre d'infos aussi. Donc n'hésitez pas à me follower sur Snapchat, sur Instagram, etc. Je suis super... enfin... je suis là-bas plus que je suis sur YouTube. Donc si le petit sapin derrière... disclaimer, je ne fête pas Noël dans le sens religieux. Je l'ai dit hier sur Snapchat. Je le dis ici sur ma chaîne. C'est que je suis une très grande fan de la déco, du design intérieur, etc. Donc si vous me connaissez, vous savez tout ça. Donc j'adore décorer selon la saison. Chaque saison, je change les choses dans ma chambre et dans ma beauty room, on va dire. Et puis voilà, donc je viens de me mettre hier soir. Donc n'oubliez pas de participer au giveaway, je vous souhaite bonne chance et que la meilleure gagne bien sûr. Et puis voilà, donc je vous laisse avec ce tuto make-up. Alors la première chose, alors ça c'est moi sans maquillage, nice to meet you. La première chose que je fais c'est j'enlève tout ce qui reste sur ma peau avec le Bioderma Sensibio H2O. Donc c'est un truc que j'adore énormément. It cleans my face. Alors je pense qu'il est midi maintenant. Et j'ai un petit truc à 14h. Donc je me suis dit, je me prépare. On camera. Et n'oubliez jamais, jamais votre cou. Vous devez traiter votre cou comme si c'était votre visage. Parce que en fait... tout ce qui se passe sur notre visage se passe aussi sur notre cou. Tous les signes de sagesse, toutes les rides, je sais pas moi, il faut vraiment tout ce que vous faites, la crème, quoi que ce soit, que ça passe sur votre cou aussi. Je suis toujours en pyjama, mais je vais vous montrer ma tenue sûrement. Donc dans cette vidéo je vais essayer ce produit là, c'est le Nivea Baume après rasage pour les hommes. Donc c'est quelque chose dans le monde de maquillage qui fait ravage apparemment en tant que primer avant de mettre bien sûr la foundation. Donc je me suis dit, j'ai acheté, ça fait un bout de temps, ça fait 2 mois, mais j'ai utilisé une seule fois et enfin j'ai pas eu le temps, je me suis pas concentrée pour l'essayer, voir comment ça se passe et tout. Donc voilà. On va l'essayer. Alors je fais comment là? Alors je vais mettre un petit peu ici. Hop 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 hop. But it smells like a fresh man. Là je vais mettre je vais commencer par mes yeux en fait. Donc je vais faire le petit primer que je fais en fait avec mon anti-cerne pour passer au fard à paupières. Donc en fait pour le fard à paupières je vais utiliser la palette de Carly Bible. Elle est magnifique, je l'utilise en fait, je l'ai depuis l'année dernière, enfin c'est cette année techniquement mais bon. Et j'adore, vraiment j'adore. Et fait à quelques couleurs d'automne. Et fait à la couleur que je veux mettre en fait. Alors donc la palette de Carly Mabel, la voilà. Donc moi j'ai utilisé Hadley Couleur Hadou, qui sont très automnales. Alors pour commencer je vais utiliser ça et un petit peu de ça for the crease. J'espère que vous allez voir. Et
j'ai envie de faire un smoky eye avec cette couleur, donc je vais la mettre sur la paupière mobile. Ça paraît toujours la alaka et mkhirbaq au début, mais après c'est juste top top top. Alors we're gonna blend all of this out. Bien sûr, sans rajouter de produit sur la sur le pinceau. Et je vais genre un petit peu le produit vers l'extérieur pour faire un petit winged eye. Ensuite, je vais prendre cette couleur qui est la plus claire et je vais la mettre sous les sourcils. Juste pour enlever tout l'excès de la couleur rouge. Alors ensuite, ça n'a pas de comment dire, de logique, mais on va passer au fond de teint parce que je préfère faire le fond de teint puis faire les petites dernières retouches des yeux. Me dire sur ma page que vous voulez des routines make-up, des routines d'automne. Donc déjà on commence bien. Je pense demain aussi je vais filmer ma routine matinale pour l'automne, parce qu'en fait l'automne c'est vraiment ma saison préférée. Quoique si vous vivez au Maroc, vous savez qu'on a 36 000 saisons pendant la journée, pendant 24 heures, literally. Donc c'est un petit peu dur de vivre l'ambiance d'automne en fait. Voilà, c'est vraiment. Donc voilà, je pense qu'il y a Allah qui brûle le hal un petit peu, which makes me very very happy. Mais voilà, il n'y a pas de pluie, il n'y a rien du tout, je comprends pas. Je sais que... Alors on va maintenant vraiment nettoyer le fard à paupières de cette manière-là. Et ne touchez pas vos cheveux, parce que mes cheveux sont partout. Alors, je vais faire avec mes mains parce que la chaleur de mes mains fait que ça aide le produit à vraiment bien se mettre dans ma peau et bien, et it looks just really natural. Mais bien sûr, les petits coins avec les détails et tout, je vais prendre un petit pinceau. J'ai l'éponge de Real Techniques que je vous ai montré dans mon... Elle est où là? Ouais. J'ai l'éponge de Real Techniques. Mais je sais pas pourquoi, j'ai toujours pas envie de l'utiliser. Alors, si vous voyez bien, voilà. Non, on va zoomer encore plus. Hop, voilà.
sûr fixer tout ce qui est sous les yeux avec cette poudre de essence. J'adore vraiment cette poudre, je sais pas pourquoi, mais c'est juste... Je l'ai depuis des années. Bien sûr, on va faire fixer la zone T. Parce que on sait jamais avec la chaleur. Ensuite, on va passer au sourcil. Parce que je n'ai aucune logique dans mon maquillage. Alors, pour les sourcils, je vais utiliser cette petite palette de Maybelline. Donc il y a les trois, il y a une petite cire, il y a le fard à paupières et il y a le highlighter ici. Donc j'utilise avec cette toute petite brosse, voilà, de l'eyeliner de Maybelline. Parce qu'elle est juste nulle pour l'eyeliner, mais elle est super bien pour mes sourcils, donc voilà. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc en fait, tout ce que je fais, c'est que je remplis les espaces où c'est vide. Pour les fixer en place, on va mettre le highlighter sous les sourcils et aussi pour nettoyer bien évidemment le fard à paupières. Je vais en mettre aussi dans les coins de mes yeux. On revient vers les yeux, donc je vais prendre la même couleur que j'ai mis sur la paupière mobile et je vais intensifier un peu le coin extérieur. Mascara colossal et j'y vais all the way. Donc par la suite on va mettre du bronzer, comme ça on n'est pas a ghost, et je vais utiliser cette palette de BH Cosmetics, la contour. And I'm gonna go all out. On va y aller avec le fard à joues, le blush Coral Fever. Que j'adore, c'est celui-là mixte avec celui-là. Alors pour mes lèvres, je vais utiliser le Colourpop Ultra Matte Lip de la collection avec Karuchi Tran, et c'est la couleur Chi. C'est un super joli nude mais qui est aussi un petit peu dark, donc c'est un nude qui est parfait pour l'automne.
look, on passe maintenant à la tenue. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn. Partir, n'hésitez pas à liker cette vidéo et aussi vous abonner à ma chaîne, comme ça vous avez la notification quand je mets une vidéo en ligne. Je vous souhaite une bonne semaine.